préparons ce grand événement qui est la fête de Pakinou, comme le disent les Baoulés. Ici, puisque le village s'est déplacé maintenant à Abidjan, avant tout le monde d'Abidjan partait au village, maintenant ceux qui restent ici, on préfère créer le village même dans les environs, dans les villages, disons Baoulé, dans les maquis Baoulé au moins. Voilà. Donc, ceci, nous sommes prêts pour attendre ceux qui n'iront pas au village, qui seront à Abidjan, pour fêter ce grand événement ensemble avec eux. Voilà, vous voyez bien, c'est la patronne qui est là, notre gérante. Elle est en train de préparer, tu vois, ces mises en place. Ce sont des places VIP. Vous voyez, ça sera bien décoré, une décoration parfaite pour la fête, semblable à la fête de Pakinou. Voilà. Je suis là ce matin pour une réservation. Voilà, comme on sait que c'est la Pâque, il y aura du monde. Donc je suis ce matin là pour une réservation, pour nous rendre une place VIP de 100 000. Voilà, pour mes amis et moi, pour qu'on puisse bien s'amuser en Pâques. Tout ce qu'on allait faire au village, on a rattrapé ça ici. Donc c'est pour dire que la Pâque, ça se passe au village, ça se passe ici. Et pour Abidjan, mais c'est plus intéressant que pour le village. Ça dans mes assis à fond, à une masse monnaie, on a calé ça à oubli. Fait claquement au fond, en blanc, en place glan à yemou. Ben à béba, ben à nos ans, ben quand ben ou, et si à blé, et que genou, et si, et dit, et non, pas que ta fille, en claquement mes blancs, ils ont au roi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Le 6 et les 7, on sort au village, tout le monde est rassemblé ici. Voilà les barrages, mes soeurs sont là. Bon, c'est un grand jour pour les Baoulés, tout le monde fête. Mais on s'est rencontré les parents au village. Fêter un peu, manger, on fait beaucoup de choses là-bas. On va danser, on va jouer les ballons. Donc c'est ça, je peux dire. Bon, je vous invite à fêter avec nous. Que Dieu fasse qu'on arrive bien. Je vais à Tumodi. Bon, on a convoi, hein, Dida Yaoukro, c'est carré, c'est super. C'est pour l'occasion de la fête de la Pâque. Voilà, on va juste s'amuser un peu au village avec les parents. Et comme il y a longtemps qu'on a vu les parents aussi, on en profite pour aller les saluer. Donc c'est pour l'occasion qu'on est là. Donc qu'est-ce que vous attendez là? Depuis quand vous êtes là? On est là depuis matin. On a notre convoi qui est en route, qui va venir tout à l'heure. Il n'est pas loin. Voici les frères sont là. Donc tout à l'heure, on va charger les bagages. Parce qu'on devait quitter ici dans l'après-midi. C'est maintenant que le cas arrive. Donc c'était un peu ça. Donc pour vous, la Pâque, c'est quoi? La Pâque. La Pâque, c'est une fête, vraiment, je ne sais pas comment t'expliquer. C'est une fête de réconciliation, revoir les parents qui sont partis, ça fait vraiment tellement longtemps. Voilà, ça nous permet d'aller les retrouver au village et puis voilà, connaître nos frères et sœurs que peut-être même qu'on ne connaît pas à Abidjan ici. Donc la fête de Pâques, c'est le bonheur pour nous et la paix aussi pour nous. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Depuis matin, on aurait dû partir. Mais compte tenu d'un peu de changement, on a eu un petit retard. Mais Dieu fait grâce que dans un peu de temps, on va partir. Nous partons à Bokanda, précisément à Kanoukro, sur la route de Kwasi-Kwasi-Kro. Pour la fête de Pâques, en tout cas, pour aller un peu échanger avec les parents, pour parler du village, à chaque fois, quand on va en Pâques, c'est pour l'évolution du village que nous partons. Nous partons
se concerner avec les parents du village pour pouvoir discuter comment nous allons construire l'hôpital, comment nous allons faire des foyers, les projets à venir. Nous partons discuter de ça pour l'avenir du village. Voilà pourquoi chaque année, chaque fin de Pâques, nous partons au village. Vraiment, que Pâques est un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Quand il y a un Voilà, je vais pour la fête de Pâques aller voir la famille, faire les retrouver en famille et puis faire la convivialité avec la famille. Ok, mais il y a la gare là-bas, mais pourquoi vous trouvez sur la route ici? Mais la gare est bourrée, c'est pas possible. Il n'y a même pas de véhicules dans les gares actuellement. Il y a des passagers qui sont assis un peu partout dans les gares, il n'y a pas de place. Voilà, donc on vient ici si on a une opportunité pour aller un peu plus vite. Parce qu'on va loin. Vous partez où? Bon, je vais derrière tout maudit là-bas. Précisément à l'Icro. Comment vous êtes préparé pour la Pâques? Bon, ça, on s'est préparé depuis près d'un an. Depuis l'année passée, on a préparé, on dit cette année on va en Pâques, cette année on va en Pâques. Donc au village, tout le monde attend. Tout le monde est prêt là-bas pour nous recevoir. Donc nous, on est obligé d'être là parce que les gens nous attendent. Bon, depuis presque 6 heures, on est là. 7 heures, 8 heures, on est là. Et comment ça se passe? Comment vous trouvez la vie? Mais c'est difficile, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Voilà. Peut-être que. S'il y avait ma personnelle, ça allait être plus facile. Mais quand c'est comme ça aussi, là, voilà. Le carburant coûte cher, 815 francs. Donc on préfère faire ça un peu rapidement comme ça. Attends, pardon. Ici là, allez.
Voici Amel Carole.